C'est un honneur d'être présent sur la terre de Sankara, sur la terre d'Ibrahim Traoré et sur la terre des hommes et des femmes intègres. Cela fait un certain nombre d'années que nous menons tous collectivement ce combat pour la souveraineté. Nous sommes à une période historique où toute la jeunesse africaine, continentale et diasporique se bat pour avancer dans ce processus d'autodétermination. Je viens en tant que voix panafricaniste voir mon peuple au Burkina et voir mon très cher frère, le président, l'honorable Ibrahim Traoré. Et je viens aussi en tant que Béninois dire qu'il existe aujourd'hui des Béninois qui sont opposés à la France-Afrique, contrairement au président Patrice Talon, qui en est aujourd'hui malheureusement un des plus grands instruments. Je suis venu aussi dire que l'Afrique sera le tombeau de l'impérialisme. Yaman, que Dieu bénisse. Ils ont tué nos pères, ils ont tué nos mères, mais ils ne tueront pas les enfants. Nous ne serons les marionnettes de personne, si ce n'est de nos ancêtres. Et nous sommes les instruments de Dieu Tout-Puissant qui veut que les derniers deviennent les premiers. Le 21e siècle sera celui de notre libération, de notre élévation et la fin de ceux qui veulent asphyxier nos populations. Quel sera le programme de la visite de Kémissé? Si je dis tout là maintenant, je dis tout aussi à nos ennemis qui regarderont la télévision. Mais je peux simplement vous dire que j'ai un certain nombre de rencontres avec le peuple digne du FASO, la société civile. Je rencontrerai l'autorité du pays, le président Ibrahim Traoré, demain, en toute fraternité et avec dignité et fierté. Et il y aura, si je ne m'abuse, une mobilisation, je crois, à la Maison du Peuple. Je n'ai pas toutes les données puisque je ne suis pas celui qui organise tout cela. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est un honneur et un bonheur d'être ici. Il y a quelques années, les agents de la France-Afrique ont cru bon d'essayer de m'arrêter et de me faire expulser. Mais comme je dis toujours, il n'y a que Dieu qui est éternel. Les hommes ne le sont pas. Les oppresseurs ne le sont pas. Le combat que nous menons, au départ, ils riaient. Aujourd'hui, ils s'inquiètent. Et demain, ils s'excuseront. C'est une question de temps. Kémissé, pour terminer, un mot à l'adresse de ces jeunes de la veille citoyenne venus te rencontrer aujourd'hui. Quel est le message que tu as pour cette jeunesse? J'ai une émotion particulière pour toutes ces forces vives de la nation qui sont en train de donner une leçon au reste de l'humanité. Ils sont en train de montrer que nous n'avons pas besoin d'avoir les ressources, les richesses que l'Occident prétend avoir. Car la plus grande richesse, c'est la ressource humaine. La plus grande richesse, c'est la dévotion pour sa patrie. La plus grande richesse, c'est l'amour de sa terre, l'amour de son peuple, l'amour de son drapeau et l'amour de l'Afrique. La patrie ou la mort ? Ce pays a donné la direction au siècle précédent, sous le président Thomas Isidore Sankara. Et ce pays est en train de donner une nouvelle fois l'impulsion sous le président Ibrahim Traoré et tous les citoyens et toutes les citoyennes qui sont ici présents. Et notre travail a toujours été le même depuis 25 ans que j'ai commencé ce combat politique. Toujours galvaniser, encourager, mobiliser et accompagner toutes les forces qui vont dans le sens de l'autodétermination de nos populations. Voilà notre message. Merci infiniment. Merci à tous. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci. En la mémoire de l'un de nos plus grands martyrs, si ce n'est le plus grand martyr de la libération africaine, celui qui est mort pour que nous puissions vivre, celui qui est mort pour que nous puissions nous libérer, celui qui est mort mais qui en chacun d'entre nous est vivant, en ton honneur, nous continuerons le combat. Nous le mènerons à bien et nous libérerons le continent entier et notre peuple où qu'il soit installé. En ta mémoire, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. On est ensemble. On se voit, on se revoit.